Bonjour à toi, investisseur, et bienvenue. Aujourd'hui, je fais une vidéo qui va faire guise d'analyse sur l'action EDF. Cette vidéo sera découpée en trois parties. 1. La valeur de l'action et sa capitalisation boursière. 2. Les graphiques, les carnets d'ordre et les dividendes. 3. Mon seul et unique trade sur EDF qui était il y a une semaine. Alors, c'est parti pour le 1. La valeur de l'action est de 11,69. Sa capitalisation boursière est de 36 000 milliards d'euros. Ce qui donne 3,1 milliards d'actions EDF disponibles sur Terre, et la moyenne des actions échangées tous les jours est de 2 millions. Graphiquement, on perçoit un canal haussier. Je suis craintif sur la possibilité de cassure de ce canal à la baisse. On perçoit un carnet d'ordre qui est plutôt à la baisse avec plus de positions vendeuses que d'acheteuses. Sur le carnet d'ordre, on a 4 400 positions acheteuses et 6 100 positions vendeuses. On voit l'évolution des dividendes avec une chute très très forte, et ils annoncent pour 2021 normalement 40 centimes par action, mais c'est que des prédictions. S'il nous donne bien 40 centimes cette année, ça nous donnera un investissement qui rapporte 3,5% par an du coup. Alors pour mon trade précédent sur EDF, j'étais rentré à 11,8, c'était descendu et boum, c'était monté, j'étais sorti à 12,2. Donc là mon objectif ça serait de rentrer à 11,6 et de sortir à 12,3. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo. Si t'as des actions fétiches que j'analyse pas actuellement et que t'aimerais bien que j'y jette un petit coup d'œil, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao ciao!